Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio. On reprend où on s'était arrêté la dernière fois, hein, pour changer. Hop, entre-temps, moi j'ai pas mal nettoyé de base, un peu dans ce coin-là, un peu tout le tour là, il y en a déjà qui ont repoussé, et un peu ici pour faire de la place si on veut aller chercher ce gisement de pétrole. Donc on va commencer par là. Entre-temps, ça a fini la recherche, donc maintenant on a débloqué l'artillerie. Bon, même si après, tant qu'on n'a pas fait un peu des améliorations de portée, c'est pas non plus transcendant. Est-ce qu'on a encore des choses utiles à rechercher? Je suis pas sûr, hein. Dans les grandes lignes, tout ça va pas servir énormément. Mais tu peux faire les capacités de transport des robots. Toujours ça de prix. Donc la question c'est, ok là grâce au fait qu'on ait arrêté de faire de la science, on a pas mal stacké de pétrole, donc on est bon pour quelques instants. Et qu'on a rempli complètement les cuves, bah, en tout cas de produits dérivés et le pétrole est en attente pour l'instant, donc ça devrait assez vite se remplir. Maintenant là vu qu'on va relancer un peu de production, ça risque de se tasser. Normalement on a fini la production de modules. Donc là on a un peu de stock, c'est cool. On va pouvoir commencer à mettre de la productivité aussi ici pour améliorer tout ça et potentiellement dans le plastique aussi, je sais pas. Ou dans les circuits, c'est même peut-être plus intéressant de mettre ça dans les circuits tout de suite. Je ne sais pas par quoi il vaut mieux commencer. D'abord, on va continuer à faire un peu la recherche pour déstocker un peu tout ça. Ouais, on pourrait commencer par mettre de la productivité dans les circuits bleus. Parce que ça consomme forcément beaucoup de trucs très chers, beaucoup de circuits rouges, beaucoup de circuits verts. Ça pourrait être pas mal d'avoir ça déjà de modulé. Et si je ne dis pas de bêtises, ce qui va nous intéresser, c'est un ratio de 1 pour 3 globalement. Ou dans une usine jaune, on peut mettre un module de productivité pour 3 modules de vitesse. Si on veut garder la vitesse constante. Parce que si on fait ça, par exemple, je crois qu'on perd en vitesse. Ah non, c'est kiff kiff. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut pas faire ça? Là, on se passe comment? On va toujours même vitesse, mais 30% de productivité. Donc je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Donc bah on va inverser ce qu'on a fait. Hop. On va prendre tout ça. On va redéposer un peu de ça, voilà. Hop. Si moi ça ne s'arrête plus, toc, on va faire toutes les petites recherches qui mangent pas de pain, comme ça, hop, ça sera fait. Toc. Comment? Ouais. Hop, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre à chaque fois une bleue. Hop, on va passer de l'autre côté, ça sera plus simple. Hop, toc, toc. Toc, toc. C'est un peu de vitesse. Hop, on voit qu'ils ont déjà commencé à repartir très vite. Hop. Hop, et maintenant la question, c'est est-ce que j'ai assez de modules de productivité pour remplir tout ça? Ah, presque. Faut encore de bon. Depuis, on a dû en produire au moins deux, je pense. Hop, la recherche est déjà terminée. Hop, on va faire la capacité des bras. Voilà, tout pile deux. On est bon. Tac, comme ça, au moins, cette partie-là, la production va être beaucoup plus efficace. À défaut d'être beaucoup plus rapide, au moins, ça consommera pas mal de circuits en moins, ce qui est toujours bon à prendre. Hop. Donc ensuite, est-ce que j'ai la place pour remettre ça là au pire? Ouais, hop, comme ça, on va pas trop tirer de ce côté-là. Après, pour l'instant, il faut bien voir qu'on est. A priori, on ne consomme pas plus de circuits bleus que ce qu'on produit là tout de suite. Donc ça, c'est assez cool. Toc, après, c'est parce qu'on fait pas de recherche aussi, hein, ça doit jouer. Et bon, et ben si on a pas mal, tiens j'ai un mur cassé, je sais pas pourquoi. Hop, on va réparer ça tout de suite, ça fera une place de plus dans l'inventaire.
À la limite, ce qu'on peut faire sinon, c'est aussi juste déjà mettre des usines jaunes pour aller plus vite. Ça, j'aurais pu le faire il y a un bout de temps. Et on peut commencer dès maintenant à moduler à balle ces trucs-là, parce qu'encore une fois, on ne peut pas mettre de module de productivité dans les usines qui produisent des modules, parce que ce sont des produits finaux. Donc on peut juste les accélérer à balle. Hop, ça c'est bon aussi. Toc, voilà. Bon, on repassera un peu après quand il y aura tout ce qu'il faut en module de vitesse pour finir. On peut aussi à la rigueur mettre ça en jaune. Hop. Et on va aller se débarrasser du stock de d'usine bleue dont on n'a plus besoin. Et on va reprendre un peu de jaune pour avoir du stock. Et on va peut-être commencer à bosser doucement sur le deuxième poste de pétrole en fait, hein, parce que ça commence à devenir le plus important là tout de suite maintenant. Non, c'est ça que je voulais. Hop, voilà. Donc, si on réfléchit, on va avoir besoin. On a encore de ça, on a encore de ça, on a encore pas mal de tuyaux. On va reprendre un poil plus, mais surtout des rails pour amener jusque là-haut qu'il va falloir, je pense. Hop. Voilà, on devra avoir de quoi faire. On a de quoi faire une station. On a des modules, tout ça. On a des coffres dont on n'aura pas besoin. On a des pump jack ou pas? Enfin, des foreuses, je sais pas comment ça s'appelle, des chevalets de pompage. Hop. Je suis pas sûr qu'il y ait 20 sources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il n'y a pas 20. Donc on va partir là-dessus et on va surtout se prendre des rails en fait, hein. Hop. C'était bizarre dit comme ça, mais c'est pas grave. Toc, on a feu, on va reprendre un peu aussi, parce que voilà, ce serait bête d'en manquer. Hop, hop. Voilà, comme ça on aura de quoi faire. On va aller mettre un petit bout de radar vite fait pour bien voir toute la station pour pouvoir la copier facilement à terme. Ça sera toujours ça de gagner. Bon, ici ça semble continuer à vivre sa vie. Hop, ça c'est bon aussi. On va finir comme ça, on sera débarrassé. Peu plus haute la station de pétrole, c'est vrai. Et donc niveau module, je pense qu'on va finir de moduler complètement la production de modules, comme ça on sera bien bien plein niveau module en tout genre. Et après je pense qu'on pourra assez vite moduler le pétrole et finir vite fait l'uranium pour pas perdre trop non plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, toujours au même endroit, soit. Toujours pas convaincu d'où ils viennent, mais bon c'est pas grave. Hop, bon on va pas s'embêter, on va le mettre juste là, hein, comme ça au moins ça sera fait. Donc là, ça, on a tout ce qu'il faut. À la limite, on va même pouvoir copier tout ça. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Et on va aller tranquillement aller préparer ça vers le bas. Donc maintenant, le problème, c'est que la zone se prête pas bien à mes blueprints. Parce que moi, j'ai toujours tout fait un peu en mode ligne droite comme un barbare. Et là, on va devoir clairement faire une bonne session de diagonale. Et soit on fait un bout de diagonale, un bout de ligne droite là, juste pour pouvoir mettre les trains qui se déposent. Ce qui pourrait être pas mal, comme ça permettra de venir un peu plus au centre. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Sinon, il faudrait refaire toutes les blueprints pour bien gérer les diagonales aussi, mais j'ai un peu la flemme, je devrais. Hop, ça, a priori, c'est bon. Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous intéressent? On va dégager des grenades pour la route. Hop. Ok, ça, on est bon. Toc, ça, on continue, voilà, hop, ici, bon, vous avez ça, merci, hop, là, et donc là, l'idée, ça serait de partir vers la gauche en diagonale pendant un petit bout de chemin, et idéalement, passer en dessous, ouais, en fait, si on veut passer en dessous du pétrole, il faudrait peut-être mieux pas partir en diagonale, on va déjà poser la diagonale, en fait, ce sera plus simple, ça nous permettra de voir exactement ce qu'on veut faire. Hop, le pétrole est là. Donc par exemple, si on disait qu'on avait un bout de ligne droite qui passe ici. Hop, et qui part ensuite en diagonale. Hop, voilà. Dézoome un peu pour voir où on va. Et là, visiblement, on a besoin de défendre un peu tous ces arbres. Hop. Oups, il manque un morceau.
Hop. Ok, ça c'est bon. Hop, et ici. On va voir si on est aligné. Donc on va le faire dans l'autre sens. Ok, oh donc hop, on va finir donc déjà de faire descendre ça comme ça, ça sera fait. Est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas? Ça a l'air, oui, hop, donc voilà. Ok, ça c'est parfait. Et donc là, on voudrait se mettre un truc un peu comme ça, hein, globalement. Hop, voilà. Alors après pour les poteaux électriques, hop. Hop. Mais bon, on n'est pas bon, non, on n'est pas bon, il manquait des choses ici. Ok. Là, on est pas mal. Bon, tout le monde se recharge. A priori, on est pas mal. Hop. Et là, bon, on voudrait pouvoir ressortir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop, hop. Comme ça et comme ça, voilà, comme ça on aura à peu près tout ce qu'il nous faut. Toc, là ça c'est bien, ça va là, voilà, parfait. Hop, on va déjà, ah, encore un truc de cassé, toujours au même endroit, voilà, comme ça on pourra même en remettre un deuxième si on veut. Allez, soyons foufou. Pas pour le prix que ça coûte. Hop. Au moins jusque là. Voilà. Et comme ça, après, on pourra repartir en diagonale s'il le faut. Si on le juge nécessaire. Allez. Mais dans un premier temps, il va surtout falloir aller mettre des poteaux électriques. Parce que sinon, notre réseau ne doit pas très bien marcher. Hop. Allez, hop, 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 ah, ça fait une petite trotte hein, quand même. Ok. Donc, hop, toujours recherche terminée, continuons, comme ça on sera tranquille. Voilà, donc, on a besoin maintenant de... Donc on va partir du principe que ça c'est l'entrée du nouveau truc. Allez, on va même le faire bien propre, hop, comme ça. On sera raccord. Voilà. Donc là, tous les deux poteaux électriques, enfin les deux grands pylônes, on met des feux des deux côtés. Bon, plutôt là. Ouais, je kiffe, kiffe. Pas très bien aligné de toute façon. Ah, mais c'est parce qu'il manque un morceau d'arrêté pour ça. Tout s'explique. Ouais. De toute façon, je suis pas sûr que ça change grand chose. Admettons, on va dire que c'est ça qui est bien. Toc, donc là. Un autre ici, voilà. Toc. Et normalement, on a ce qu'il faut. Maintenant, il faut tirer les câbles logistiques. Toc. Et on pourra mettre des petites lumières aussi pour la route parce qu'il commence à faire sombre. Hop. Ok. Ça, on est pas mal. Hop, hop. Voilà. Et donc, à chaque feu, on peut se permettre de mettre une petite lumière. Enfin, à chaque feu de signalisation, j'entends. Hop, et hop. Allez, tirer là pour la route. Voilà. Donc là, on a notre bout de réseau ferré qui va jusque là, ça c'est mieux. Et donc maintenant, comment on va s'organiser notre petite station? Moi, je dirais bien qu'on va donc hop, reprendre ça et la mettre quelque chose comme ça, histoire qu'on ait de quoi tourner là. Donc ouais, un truc un peu dans ce style là. Pouf, ça on verra après. Hop, bon, ça va pas s'embêter, pif, voilà. Ok, on est bon.
termine. Donc là, on va avoir besoin d'un truc qui sort de la voie de garage, entre guillemets, ici. Hop, par exemple, comme ça. Poc. Qui va par là. Hop. Oups, beaucoup de trop. Hop, et comme ça. Voilà. Donc là, déjà, on a la sortie, c'est pas mal. Hop, ça de toute façon, donc il va falloir aller le relier au réseau avec du câble rouge, je suppose. Je sais plus. Oui, il y a que du rouge là. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, quand tu auras du pétrole dedans, ça se fera tout seul. Hop, on va mettre les chevalets de pompage. Hop. Voilà, c'est très stacké par ici. Hop, donc à la limite on va pouvoir se faire un premier truc qui va comme ça par là. Poc. Voilà, ça c'est fait. On va se mettre un poteau en plein milieu. Ça commence déjà à pomper. Et si je peux aussi mettre. Hop, on va se mettre ça là, juste histoire d'avoir un petit passage souterrain pour pouvoir marcher. Et voilà, ça va commencer doucement à remplir. Et ensuite, on va pouvoir faire la suite. Qu'est-ce qui vaut mieux ici? Ouais, on va faire ça comme ça. Toc. Hop. C'est bon ça, oui, ça connecte. Toc, voilà, de plus. Ensuite, ici, on va se faire un bout comme ça. Non, ça, en dessous. Hop. Puis comme ça, on va pouvoir se faire ça là et ça là. Hop. Voilà. Donc ça, comme ça commence à pomper. Ah, vu qu'on a deux trains en plus, ça devrait permettre aux deux de se balader un peu comme ils veulent, où ils veulent. Hop, là il y en a un qui est en pause et l'autre qui doit être en train de décharger, j'imagine. Hop, ah ouais, qui vient de finir de décharger. On voit que les réserves ne sont pas pleines du tout, donc ça c'est cool. Hop, ça veut dire qu'on n'est pas. On ne déborde pas de pétrole, donc ce qu'on est en train de faire, c'est pas totalement inutile. Ok. Ensuite. Hop, si on tourne tout comme ça se fait ou pas? Ouais, ça va le faire. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit segment qui va là. On va pas s'embêter. Pif. Hop, ça sert à rien. Et là, on voudrait se faire un truc comme ça. Toc, 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 toc. Ça, on décale. Ouais, on sait. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on devrait avoir quand même pas mal tout ce qu'on veut. Il doit même se mettre une petite pompe ici pour la route. C'est très utile, mais bon, dans le doute. Voilà. Donc ça devrait commencer à se remplir tranquillement. Maintenant, il va falloir amener par ici par exemple, hop, l'entrée, toc, et voilà, maintenant tout est bon. Attendre qu'elle se remplisse pour qu'elle commence à fournir du pétrole à tout le monde en théorie. Hop, ça a priori il n'y en a pas besoin. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Mais bon, tout le monde a l'air d'être connecté au réseau. Oui, de toute façon, ça se marche bien. Donc là, hop, on a dit que c'était combien? 100 000. Et là, on a 34 000. Donc on a un peu le temps avant que ça se remplisse.
Mais bon, on va laisser tourner, au moins, ça veut dire qu'on a sécurisé. On va même mettre quelques tourelles laser quand même, dans le doute. Parce que je ne fais pas confiance aux bestioles qui se baladent par ici. Si j'en ai encore, oui, si j'en ai encore. Hop. 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 Deux, trois, à droite, à gauche, pour, au cas où, gagner un peu de temps, si jamais je dois arriver en courant. Voilà. Là, on devrait être pas trop mal. Allez, voilà. On va faire avec. Donc maintenant, normalement, on devrait vraiment plus manquer de pétrole. Donc même quand on va pouvoir moduler la production de pétrole, ça devrait pas poser de soucis. Ça devrait partir à grande vitesse. Et puis bah là, je pense qu'on va pouvoir commencer doucement à réfléchir. Je pense qu'on a là, pas mal de prod, surtout que la science va se tasser un peu, donc on va pouvoir commencer là, tranquillement. Ah, il manque un feu là, visiblement. Hop. On va pouvoir commencer tranquillement, je pense, à réfléchir à la production de fusées, de science blanche, hein, parce que, a priori, on est pas mal du tout. Donc, pour l'instant, on va avoir besoin de trois éléments pour construire la fusée elle-même, en plus de pouvoir construire le pas de tir. Hop, on va avoir besoin de structures de faible densité, ça on en produit déjà. De carburant pour fusée, ça il va falloir le produire au pétrole. Et d'unités de contrôle de fusée qu'on va devoir faire from scratch sur place. Donc déjà, il va falloir vérifier qu'on a une ligne dans de libre sur le bus, mais ça normalement on a de la marge. Voilà, tout ça là, c'est pas affecté. Hop, on va préciser. Alors donc ça, c'est du. Ouais, je peux pas le régler comme ça. C'est pas grave, on va monter. On voit que les circuits rouges, ils ont pris un peu cher quand même, hein. Hop, depuis que les modules tournent, là, ça. Il va falloir augmenter un peu ça aussi. Donc là, on est sur notre béton. Voilà. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. Béton, faut bien faire OK. OK. Et donc là, on va mettre potentiellement notre combustible solide. C'est ça, ou combustible pour fusée, je sais plus comment ça s'appelle. Carburant pour fusée. Et le combustible solide, c'est le ça. Qui a donc besoin de combustible solide et de pétrole léger, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop, oula, on voit que le fer commence à prendre cher. Donc là, il va peut-être falloir quand même amener une autre ligne de production de fer. C'est un peu la dèche. Hein. Hop. Heureusement, normalement, on a tout ce qu'il faut au niveau minerai pour pouvoir se le permettre. Hop. Plutôt pas la peine. Hop, voilà. Allez, les petits enfants, au moins l'avantage c'est qu'on a plein de fours, donc ça c'est cool. On a ce qu'il faut, et puis on verra pour upgrader après quand il faudra. Hein. Là, on va déjà refaire un peu vite fait une petite colonne à base de fours classiques. On verra après si ça suffit ou pas. On est bon, on va être bon. Hop. Ok, donc maintenant il y avait quelques trous dans la blueprint pour une zone obscure. Ah, j'ai plus du tout de bras par contre. Donc ça va être un problème. Mais. Donc, je ne peux pas copier si j'ai pas le robot part activé. Pas sûr pourtant. Étrange. Bon bref. Hop, donc là tout ce qui manque c'est ça et des poteaux électriques. Donc les bras, on doit en avoir un petit stock ici je pense. Par contre les poteaux électriques, je sais pas si on en a beaucoup. Peut-être falloir en refaire à la main. J'ai du bois, donc. Pouf, allons-y. Ok, donc bah, on va commencer de toute façon par amener le minerai de fer. Hop, c'est quand même essentiel. Oula, qu'est-ce qui se passe? 7? Ils ont tout cassé ici. Il va vraiment falloir renforcer ça. Hop, donc un niveau courant, on est très large, toujours la magie du nucléaire. Hop.
Ça, on ne veut pas la toc, voilà. Et voilà, comme ça, le minerai de fer va arriver tranquillou. Et on va pouvoir finir ça. A priori, c'est bon, ça couvre tout le monde, on est bien. Hop. Hop. Ok, a priori, ça, c'est parti. Ça va rouler tout seul. Ça permettra de amener un peu plus qu'une seule ligne ici. Ben, donc deux, forcément, le double. Hein. Là, parce que visiblement, ça prend cher. Ensuite, on va vite fait aller renforcer le truc du bas. On va finir, tant qu'on y est. Ça, c'est une recherche qui ne se finit pas non plus. Ah bah oui, tiens, des dégâts des lasers. Ah bah oui, mais non, c'est une recherche spatiale. Hop, ça ne marche pas. Hop, bon, bah, tout le reste c'est pas très très utile, mais on va le faire juste histoire de débloquer puis de plus l'avoir dans l'écran. Hein. De toute façon, là, maintenant, la prochaine priorité, ça va être de lancer des fusées, donc on va avoir un peu le temps de voir venir. Toc, toc, on va mettre un petit bout de mur pour la route. Voilà, ça protégera un petit peu. Si on va réparer ça vite fait, toc. Et s'il faut, on en remettra même là. Hein. Bon. J'ai rien que ça, ça devrait être suffisant, je pense. On va vite fait finir de moduler tout ça pour que ça aille plus vite. Hop, voilà, pouf. Mais après, de toute façon, c'est les circuits rouges qui sont en PLS. Peut-être falloir commencer à moduler aussi les circuits rouges hein, à terme. Parce que, a priori, c'est pas l'entrée. Là, tout le monde est bien fourni, tout tourne bien. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter un petit. Oups. Hop. On va rajouter un petit étage, hein, je pense, comme ça on sera tranquille. Hop. Pour les mêmes deux, soyons fous. Voilà. Hop. Vous voyez que là, on avait bien pris la peine de laisser un maximum de place ici. Pour pas être embêté, c'était exactement pour ce cas de figure. Ok, bon, de toute façon, ça va se construire tranquillement, ça devrait augmenter un peu notre production. À l'aise. Hop. Ok. Donc, bah ouais, en fait, je pense que le mieux, c'est quand même d'aller commencer par la production de carburant pour fusée. Parce que ce qui va être le plus embêtant. Il va falloir prélever donc la production de combustible solide qui est déjà là et y ajouter une alors, idéalement ça serait cool qu'on arrive à le faire là parce que ça permettrait de pas prendre plus de place que ça quoi. Avec un peu de chance on va pouvoir reprendre ce genre de fonctionnement là donc ça devra peut-être le faire. Hop. Ouais, voilà, hein, comme ça. Alors, si on peut le caler là, c'est pas dégueu. Même si ça laisse un peu de place ici, à la limite, on pourra enlever le poteau électrique pour gagner un peu de place comme ça. Maintenant, surtout, la question c'est comment on va le rapatrier. Parce que là, on a pas mal de lignes qui sont occupées, donc je crois qu'on va être obligé de le faire passer par en dessous. Là, ça va bloquer aussi, donc il va falloir le faire passer là. Ça commence à être un peu le bazar cette zone. Et là, on a une petite rangée qui peut passer à travers. Donc, ouais, en dessous, là, tout du long. Bon, et ben on va partir là-dessus, hein, de toute façon. Hop, alors il va nous falloir pas mal de convoyeurs. On va partir full bleu, hein, de toute façon. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer quand même des usines pétrochimiques. Pouf, voilà, comme ça on aura largement de quoi faire. On va reprendre au cas où quelques bras robotisés. Des rouges on a pas mal donc ça va. On va reprendre des bleus. Ça on aura du stock. Avec un peu de chance ça devrait le faire. Hop. Donc il est question que ça passe comme ça. Hop. Voilà. Hop là. Attention, justement, il y a une traversée de combustible solide ici.
qu'est-ce qui est le plus simple? Ouais, on va continuer comme ça. Hop. Hop, là, bon, y a pas de raison qu'on fasse traverser du jaune, donc on va se permettre de le... Oups. On va se permettre de le faire traverser. Avec là, visiblement, il va y avoir quelques problèmes d'arbres. Hop. Voilà, là, a priori, on est bon. Là aussi. Hop, là aussi. Heureusement qu'on n'était pas sur les rails. Hop, à la limite ça, on va l'enlever parce que... Flemme. Toc, 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 voilà. Et on continue. Décidément. Toc. Normalement, le combustible solide, on s'en sert surtout pour l'alimentation des trains. Hein. Donc, ça, il va falloir l'enlever par contre. Hop. Ou quoique, peut-être pas. Hop. Parce qu'en fait, on va le faire passer là, ce sera très bien. Donc, est-ce qu'on peut. Si on fait ça, ça coupe tout. Même pas. C'est magnifique. Hop. Donc, on va se placer ça. Comme ça. On va réactiver notre robot-port. Ça, on va essayer de le déplacer un petit peu. Ah, je suis bloqué. Comme ça. Voilà. Normalement, tout tourne. Bon, de toute façon, ça s'est alimenté. En fait, ça, j'en ai plus besoin, je pense, parce que tout ça est alimenté via le train, en fait. Hein. Donc, à part celui-là, on est bon. Hop, je vais remettre le bout que j'ai enlevé quand même, sinon, ça va mal se passer. Et là, l'idée, ça va être de plutôt produire. Ah, c'est dans des... Ah d'accord, c'est dans des machines jaunes. Bon, soit. Je pense que ça tient au milieu. Hein. Ça doit être la même... Ouais, c'est la même spatiale, donc ça va. On s'en sort bien. Et donc, on veut ça. Toc. Et je me suis encore bloqué comme un boulet. Hop. Voilà. Par contre, ça, ça va plus marcher. Il va falloir mettre du tout droit. Hop. Ok. Ça, on est pas mal. Ça, on va enlever. Toc, toc. Toc, toc. Et toc. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, la problématique, c'est d'arriver à amener le... combustible solide ici. Donc là il va falloir se faire un peu de place. Est-ce que ça, ça va? Parce que là comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par cela. Hop, voilà. On va mettre celui-là à la même taille pour la forme. Mais on va surtout avoir besoin, voilà, touc et touc. Hop et hop. Voilà, ça déjà, au moins, ça alimente. Idéalement, là, on va upgrader cette ligne-là pour que ça amène au moins du rouge. Hein. Sinon, ça va être la tristesse. Hop. Hop. Bon, évidemment, il n'y a pas de problème à produire du rouge. Ça devrait le faire. Mince, par contre, ça, j'ai pu. On peut fabriquer un rapidos, oui. Heureusement. Ok. Ah mais, enfin un autre, forcément. J'espère que c'est tout. On est bon. Là, on va quand même dire qu'on veut en priorité envoyer au reste de la base, pour être large. Mais bon, normalement, on devrait avoir de quoi faire. Et là, par contre, on va se faire une petite différence, c'est que... On aura du mal à faire passer. Non, c'est pas ça, ça que je veux.
Hop, on va avoir du mal à faire passer un truc là à cause des tuyaux, donc on va le faire passer ici. Est-ce que ça passe comme ça ou pas? Oui, bon, on va faire ça. Paf. Et donc là, un truc comme ça. Et on veut aller chercher ça. On peut pas le mettre comme ça parce qu'il y a celui-là qui va nous embêter sinon. Ok, donc là, ça devrait pouvoir partir, tranquillou. Et on va commencer gentiment à stacker notre carburant pour fusée. Qui va partir comme ça. Qui va aller tout là-haut. Mais. Hop, et on va pas s'embêter, on va juste faire ça. Voilà. Ça, a priori, c'est parti et ça va arriver pratiquement jusqu'au bus. Bon, après, il faudra potentiellement mettre beaucoup plus que ça parce que sinon, ça va être. Je crois que c'est très long, oui. Donc, on va en mettre beaucoup plus que ça. Hop, en plus, ça rentre tout pile, c'est parfait. Toc, voilà. Là, visiblement, il manque un truc d'alimentation. Et je n'ai plus de tuyau. Super. J'espère que ça va être assez pour finir. Oui, ça devrait, je pense, quand même. Faut pas déconner. Hop. Ok. Et donc là, on est au chaud du long, hein. On va pas s'embêter. Normalement, ça devrait le faire. Voilà pour ce qui est du combustible à fusée. Et d'ailleurs, j'avais pas vu que ça fait déjà bien longtemps que cet épisode dure, donc on va s'arrêter là et on finira d'amener tout ça jusqu'au bas de la base dans le prochain épisode. Salut, salut!